Enfin, nous aurons les Américains Naomi Lang et Peter Chernyshev également à surveiller. Ce sont Sylvia Novak et Sebastian Kolasinski qui ouvrent ce dernier coup. Voilà, vous venez de voir les premiers concurrents en danse libre et j'aimerais vous rappeler les éléments requis que les juges recherchent. Il doit y avoir 5 portées minimum, maximum de 7. Il doit y avoir dans ces portées, 2 portées qui sont spécifiées, c'est-à-dire 1 sans rotation et 1 avec un minimum de 3 rotations.
les règlements sont très sévères en danse et ça ne s'améliore pas avec les années. En plus, tenez-vous bien, il faut deux séquences de jeux de pied, une circulaire et une en diagonale ou en ligne droite, longitudinalement. Ensuite, il faut rajouter au programme une pirouette en coupe, c'est-à-dire il faut qu'elle soit en position foxtrot, qui n'est pas très très facile du tout, avec un minimum de 5 rotations. Alors que, pardonnez-moi de vous interrompre ici, Isabelle, on voit bien le trio, j'allais dire le trio magique, Marina Hissena à gauche, au centre, Muriel Zazoui-Boucher, et à droite, Gwendal Pesra. Muriel Zazoui-Boucher étant leur entraîneur de toujours, mais nous y reviendrons dans quelques minutes. Pardonnez-moi, ma chère Isabelle, je vous ai interrompu. Dans ces terribles éléments réclamés par les juges, auquel nous ajouterons bien sûr la diagonale, la fameuse diagonale que l'on a vue ici au ralenti sur les images de Jean-Louis à l'instant. Voilà, et on rajoute aussi deux séries de twizzles. Twizzles, ce sont des rotations faites sur la glace, faites simultanément par les deux partenaires, et il en faut au moins deux. Et les rotations de ces twizzles, comme on les appelle, sont un minimum de 1, une rotation, et il en faut deux séries de deux twizzles. Eh bien, avec c'est tout clair? Ça, c'est aussi limpide qu'une carte voilà. Sur la glace de Paris-Bercy. Et je vous épargne le reste, parce que c'est un dictionnaire. Mais c'est tout à fait intéressant, car c'est vrai qu'en danse, il y a...